Pour leur deuxième spectacle à l'Université Laval, le groupe Les Fireflies. Mais non, mais non. Plus. On espère qu'il y en ait plus.
Bon, donc, ben, merci d'être venu à notre show. On est les Fireflies. Donc, pour vous dire, les Fireflies, il y avait deux membres originalement. Il y avait Clara ici et Mink qui faisaient partie du groupe. Et moi, je suis venue les joindre par la suite. Moi, c'est Moïgan. Donc, ben, je vais laisser les filles s'introduire un petit peu, juste parler d'eux. Ben, moi, c'est Clara. En gros, j'ai été gagnante de G-Idol 2011, donc l'année, il y a un an de cela. Et puis, j'ai eu mon propre spectacle à G-Anime, justement cette année, en 2012. Et puis, j'ai été finaliste à quelques Otakuton Idol. Et aussi, j'ai fait partie de tous les spectacles des Irulan and Friends. Et toi, Mink? J'ai gagné avec quatre autres personnes le concours de Jumpsite Adore, qui est un concours de chant japonais à Montréal. Et j'ai suivi des cours de chant pendant 6 ans quand j'étais plus jeune. C'est ça. Et puis, Moïgan? Ben moi, dans le fond, j'ai suivi un petit peu le même cheminement que Clara. J'ai dansé, chanté avec Irulan and Friends. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait le même cheminement. J'ai fait partie du même groupe. Et j'ai, avec Clara qui m'avait encouragé, j'ai participé à G-Idol aussi l'année qui vient de pas, ben, cette année, dans le fond, en 2012. Et ça, j'ai gagné ce concours-là. Donc, on a décidé de tout faire un show ensemble quand ils nous ont invités ici. C'est qui fait du feedback? C'est-tu moi? Moi, je le sais. À moins que ça ne vous dérange pas, le feedback. C'est vous trois. Okay. Ah, c'est la voix! OK. Nos voix sont trop puissantes. Donc, est-ce que vous êtes plein d'énergie, là, ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Commencer la prochaine tune, on aimerait que vous criez toutes un Fireflies Go! OK? Donc, à trois, on le fait. Un, deux, trois, Fireflies Go!
C'était l'opening de l'anime Baka to Test. Si certains l'ont reconnu, c'est assez. Ben, moi, j'ai vu deux personnes juste là, à troisième rangée, qui apparemment savaient bien les paroles. C'est bien ça. C'est fun! Alors, la prochaine chose qu'on va vous montrer, c'est en fait un medley de 5 ou 6 chansons japonaises connues, ou moins pour certaines personnes. Alors, on a un hommage à Boa, un hommage à Utada Hikaru, on a le générique de Someone Else Working, et quoi d'autre? Madonna? La chanson de Akuaki, et évidemment un classique de l'année passée, c'est-à-dire Puella Magi Madoka Magica. Woo! Allez-y! En anglais et en japonais. Thank you.
The Girls. Personne ne connaît? Chanter en même temps qu'on saute de haut en bas. Ça te tue le souffle. Fait que si j'ai un petit conseil à donner à n'importe qui veut faire une compétition d'idol, faites pas ça. Nous, on peut le faire parce qu'on est trois sur stage. Ça passe quasiment inaperçu que je, à la fin, j'aime plus tout. On est prêts? On est prêts. Ça, c'est une chanson assez spéciale. Vous allez voir. Vous allez la reconnaître, mais pas tout à fait de la même façon que vous allez l'entendre. Oui, très spécial. C'est une surprise!
on enchaîne? Si possible. So everything that makes me whole is like me. J'aurais jamais commencé à chanter du J-pop et donc je veux lui rendre hommage en chantant une des chansons dont elle m'a gracieusement donné l'autorisation de chanter en compagnie de mes autres Fireflies. Alors merci beaucoup Irulan, merci Chorale Taylor de nous avoir laissé utiliser votre interprétation japonaise d'une chanson française. Française, oui, pardon, de la version japonaise de la comédie musicale de Sailor Moon, donc c'est Ramiyu. Thank you.
notre show. Restez, hein, il y a d'autres, d'autres spectacles après, là. Vos chiffres qui s'en viennent après. C'était les Fireflies!